Souvent tu en as assez de ce monde où rien ne s'obtient sans insister, parfois même se faire menaçant. Acquis cette certitude à partir de l'expérience de ta mère. Tout faire pour éviter de terminer tes jours dans un EHPAD. Avril 21. Bref échange avec une voisine qui a été la nounou d'Elsa et d'Étienne. Les dégâts de la vieillesse sont parfois soudains. Le soir, tu comprends que ce qui t'a remué était son rire. Et sa façon d'accentuer ses paroles. Quelque chose en elle s'était cassé. Ce qui est grave, c'est d'éluder la vie, se refuser à ses provocations. Et d'ailleurs, il est le plus souvent beaucoup plus facile de se dérober que de consentir. C'est pourquoi, dans ces conduites rigides et précautionneuses que la morale valorise et où la plupart veulent discerner de la rigueur, je ne verrai pour ma part que lâcheté, indigence, avarice. Charles Julliet, journal du 26 octobre 1966. Travaille avec tes mains, même si t'as maladresse. C'est aussi s'accorder avec le lieu. Et toujours ce besoin d'une fatigue de tout le corps. Avril 21. En repeignant la grille au fond du jardin, je me disais que je pourrais y placer la caméra pendant une journée et laisser tourner. Ça raconterait sûrement quelque chose, tous les gens qui passent et qui parlent. Avec leurs gosses ou leurs chiens, tout seuls ou entre copines. Filmer les langues qui s'y parlent dans ce chemin, les vies qui s'y racontent, qui s'y inventent, qui s'y dessinent ou s'y devinent.
23 avril 21. Fin du chantier de peinture. Je ne filmerai plus la rouille sur la table de la terrasse.24 avril, 21.